Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de 30 juges qui ont épinglé pour absence d'intégrité morale, abus d'autorité, qualification académique insuffisante dans le pays d'Haïti. Côté juge, ils ont censé révoquer ensemble avec quelques magistrats aussi qui nous parlent de eux, notamment le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine. La voix de la cour de la Conseil supérieur du pouvoir judiciaire là, c'est CSPJ, eh bien, dans lundi 16 janvier qui s'est passé là, dans le procès verbal, Libaye, pour son retraite professionnelle, il était fait entre 11 et le 13 janvier 2023 qui s'est passé là. Dans la retraite qui a été faite là, eh bien, ça a permis de permettre que le secrétaire technique, M. Jean-Robert Constant, il a statué sur 69 dossiers que Commission technique de certification, CTC, l'ITBAI, sur problème qui gagne ensemble avec magistrat, magistrat assis et magistrat de Bouillon. Et dans l'analyse, ils ont analysé, ils ont fait un traitement de 69 dossiers. Dans 69 dossiers, il y a 31 magistrats qui sont certifiés, presque la moitié de l'année, et puis 28 magistrats, ils ont même qui passent certifiés. C'est ça, pour ces bébés-là, c'est fait qu'on est. Et donc, d'après ça, c'est SPJ, fait nous connaître. Parmi les magistrats de l'ONG de nous sommes capables de citer le Jean-Austin Petit-Papa, lui-même qui était blanchi sénateur au nom de Dieu, lui, ancien questeur sénat haïtien qui a été accusé de voler l'agent sénat. L'ONG de droite également sur Ramon Cité Aximé, et c'est lui-même qui était en charge dossier Petro Caraïbes là. Et puis, il y a un juge Gary Aurélien. Il a changé monsieur lui-même qui est le premier juge qui a été nommé sous assassinat président Jovenel Moïse. Et puis, il y a un juge Fabien également. Juge Fabien, il a été accusé de blanchiment des avoirs par l'UCREF. Et c'est lui-même aussi qui était en charge du dossier Jovenel Moïse. Parmi les cinq juges qui étaient sous dossier ça, monsieur Seyou Nadan, que il est censé révoquer parce qu'il était indexé dans la question et sur certification. Nous jouons également, nous, l'autre juge, Ikenson Edumé. Monsieur lui-même, c'est lui-même qui était dans le dossier Sojourner avec l'État haïtien. Nous connaissons une question qui était entre Sojourner Dimitri Vob ensemble avec l'État haïtien sous Jovenel Moïse. Et puis, il y a un commissaire gouvernement, Kwade Boukéa, et avec le commissaire gouvernement, Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine et M. Roosevelt Zamor, tous les deux nexaux censés indexés par conséquent. Toutes les deux, M. Sao, censé écarter dans le système judiciaire haïtien. Par contre, parmi tout le monde, il y a 31 magistrats eux-mêmes, ils sont certifiés par la CSPJ. Donc, c'est actuel doyen tribunal de première instance Port-au-Prince, M. Chavan Etienne, M. Wilfried Butus, doyen du tribunal de première instance de Fort-Liberté, et Merlan Melab, Jacques-Claude Desbrésil, Milan Borgela, entre autres, c'est M. Sao. Il est considéré comme de vrais juges qui pas indexé dans la question de corruption, blanchiment et puis toutes sortes de problèmes qui viennent. Donc, président CSPJA, M. Jean-Joseph Lemoyne, il a été fait pour ce verbal-là et puis il a été à la gueule dans le ministère de la Justice by Mme Émilie Prophète Milsé, donc pour capable harmoniser une très bonne relation entre le ministère de la Justice, la MJSP, ensemble avec CSPJA. Étonné tendez que yo t'a écarté dans certification alors que pour deux raisons fondamentales parmi tant d'autres qui pas gain fondement. D'abord yo dit me libérer deux mexicains en drogue qui sont au cas qui vient Port-au-Prince pour l'argent. ADM paquet qui transfère pour ces malversations connues de tous dans paquet là, il dit que me voler tout corps de lit paquet yo. Première raison c'est que c'est raison dit les drogues là me libérer. De Mexique, c'est pas vrai, c'est faux, ça chiffon. M'a répondre. Moi exécuté un arrêté pris en conseil des ministres que me fait se déposer là dans CSPJ. Moi exécuté un arrêté pris en conseil des ministres sur l'initiative du ministre d'Orsay par lettre ambassadeur Mexique là te voyer Bali. Il te mandé mais le gouvernement prend un arrêté d'expulsion. L'Ivoédim fait suivi arrêter ça pour que monsieur soit capable d'entrer la caillou. Et moi, voyez dans prison un ordre d'extraction. Moi, dit mettez moun sa yo
à la disposition de la DCPJ pour les suites administratives. Puisque commissaire yo pas assujetti au règlement de prestation serment de certification CSPJ. D'ailleurs pas jamais certifié commissaire. Même certifié. Donc ces magistrats assis au certifié. Donc pour que ça redia, yo vient avec un baguette magique comme ça. Maintenant, je suis prêt à payer le prix de mes fautes, mais c'est si me fait faute au frais. C'est si me fait ombre. Et me dit l'âme fière et le front haut. Et m'a baillé l'exemple que si on bagaille on fait réel reproche qui fondé m'a porté me baillé parquet qui prend commissaire qui prend place moi pour me mettre dans prison et pour juge capable inscrit sous cas moi ou bien condamné puis j'ai peine moi ou bien yo blanchi me libéré et me dit ça me dit m'a fait mais faut que réseau valable faut fonder mais enquête pour mener sur tout et pas dit que madame conseiller a l'été tronqué la madame Massillon, Douane Massillon, dans CSPJ, ça vous dit oui. Yo dit, yon ben madame Lot, yon non ben madame Lot dans place Lot. Madame n'y pas de niveau académique nécessaire. Madame et madame conseiller des Ionader, lui mette le comme consultant CSPJ. Il pas de niveau académique, il pas de pièce. Donc soit vous voyez aller pour pièce, faux pièce, pièce manquant, vous voyez madame en avant. Parce que madame pas de pièce pour te faire consultant dans CSPJ. Mais bien sûr. Ah mais monsieur actuellement là, l'inon caille la vivre dans mon gros on monde, il un entrepreneur, il pas payé. Il pas payé caille quand il dormi depuis le CSPJ. Ça c'est pas corruption, ça oui. On est prend madame pour tronquer là l'autre monde conseiller. Ça c'est pas corruption. Toutes ces corruptions. Donc comment tu vas comprendre que pour même instance ça cap statuer sous comportement magistrat debout ou assis, c'est ou même encore qui fait corruption. Pas comprendre ça. Je suis perdu. Et je suis tombé d'ennemi. Mais bien sûr, les politiques, et moi-même, je pense que, et en tant que mon fonction officielle et politique m'a exercé, je suis représentant de l'exécutif dans le judiciaire. Et que maintenant, je ne suis pas assujetti encore une fois au règlement de certification du CSPJ. Alors, nous connaissons. Qui a tout dans le dossier ça? Attends-moi, c'est que le CSPJ doit se ressaisir pour qu'à jamais, il ne soit jamais en train de certifier magistrat de Bouillot. Parce que je n'ai pas ça. Mais bien sûr, il n'est pas capable de faire l'homme. Moi, je te dis que je ne vais pas démissionner encore. Je fais les gens, je ne vais pas faire. Et maintenant, je vais révoquer, mais je vais révoquer bien. Il faut révoquer bien. Il faut révoquer bien. Pourquoi tu as un soupçon pour révoquer comme c'est la fin? Ah, moi, je ne vais pas révoquer. Si je ne vais pas démissionner, il faut révoquer. Je ne vais pas arrêter là éternellement. Ou d'accord, je ne vais pas payer éternel des armées. D'accord? Je ne vais pas avoir un mandat qui est défini. Et même là, je vais m'aller. Même pour m'aller, il faut m'aller bien. Il m'a demandé de me libérer son la famille Mbafel. Il m'a demandé de me libérer Angela Estime Mbafel. Il m'a demandé de me libérer dans l'audience sur le bénéfice de la loi de l'espinasse, la Kouabi Mbafel. Et que maintenant, tant d'autres bagages encore. Il m'a demandé de me faire une conclusion favorable. Dans une demande de me lever sous quatre policiers qui n'ont pas dossier président Mbafel. Ok, il fait l'autre monde faire Mbafel. Actuellement, je ne parle pas de policiers. Yo. Yo coupable de ça reproche. Si yo pas reproche, si yo pas gagne un compte, yo ka libéré. D'accord? Mais bon, parce que c'est cabinet qui te fait droit, qui te fait demander en main levée. Comment on est ministre pour cabinet en fait demande en main levée? Ça n'a pas de sens. Et ça me dit là. Et par contre, je me dis non. Chaque lèvre passe, je me dis oui. Je me dis oui. Tout le monde me dit là. C'est mes politiques qui ont fait espérance. Cap fait lui. Tout le monde dans CSPJ, paix bouche, paix espérance. Il te demande de me classer dossier sans suite. Dossier mon chéri Yam Bafel, et que monsieur a écrit à l'autre doigt humain pareil, et puis qu'après comme ben pad, qu'après comme ma table, tout partout, et puis on voyait dit pour révoquer même bâtonnier de l'ordre des avocats, pour ton passement de révoquer moi. Pour que ça là, encore monsieur, bon monsieur, attendez, nous c'est journalistes, amène une enquête pour moi, sous commissaire qui était passé en famille, gardez deux degrés de corruption par rapport à moi-même. Vous allez vous faire une idée, attendez, et bien ça, je ne vais pas répondre à ça, attendez. Monsieur Chabab dénoncé, ou qu'a dénoncé m'a arrêté, oui. La dénonciation, d'accord, n'est pas suffisant pour moi arrêter mon. Hein? Pas conscient, donc faut comparaison. Et pas la corruption, donc bon, donc que ça reproche, mon gars, demandez pour moi, degré corruption, exao. Et c'est moi-même, c'est moi corrompu. Ah, moi corrompu, qu'on y a, monsieur. Vous voyez, les qui passent en homme là, tout le monde va comprendre ce qui est passé. Je vais attendre tout ce qu'on dit.
un moins corrompu Jacques Lafontaine. Bon, attendez, bon, n'a dit comme ça que on dit gros caille. Bon, m'invite toute la presse à la caille moi. Bon, on a la presse. Suivez-moi là, bon, m'a payé comme machine pour tout le monde, comme moto. On a la même la caille. On allez, on allez. Nous ouais caille, mais filmer caille là. La voix de la route de la caille. L'autre nouvelle que nous avons encore, c'est une opération que la police a menée dans la zone de tabac 60 dans l'après-midi, dimanche 15 janvier, qui sont passés là. Il y a trois bandits qui ont été tués, ils étaient blessés, ils étaient mortellement blessés selon gens que la police prend employé, qui parole, il y a là. Et monsieur Saoul, immédiatement que ils étaient arrivés, ils étaient pas kidnappés ou bien ils étaient entrés la caille au juge, et il y a quelques monde dans le quartier qui ont relayé la police, et puis, la police est venue sur place, eh bien, monsieur, ça a commencé à tirer coup de zame avec la police. Donc, la police était ouais que, bah, la dupe, il y aurait les deux autres unités encore venues mettre en renfort. C'est Brie, ensemble avec une mot de Kwale Bouquet et avec une équipe de la SWAT qui était sur les lieux, qui était braqué zame ensemble avec bandits. Parmi lesquels, il y a trois bandits là-dedans qui étaient morts. Et puis, la police saisit quelques fusils, un fusil d'assaut AR-15. À 3 de série LBU-02-1358 et puis un autre pistolet de calibre 9 mm de série 1483-283. Et puis, il a saisi également une motocyclette cross qui a une couleur noire et puis magnifique l'ancien que il a été récupéré sur les lieux. La police continue à solliciter une fois de plus collaboration population pour capable continuer et lutter contre le grand banditisme dans le pays d'Haïti. La voix de la route de la taille.